oggi è parleremo di una famiglia che da di Pandolfi che campa e lavora in sotto, o abbo e due violi sono agricoltori, tanno e oa che facciano i frutti e i legumi, e ciò che faccia la sua particolarità è che tutto ciò che di produce non passa in due ristoranti, con su e a mamma chef, coordinata a tempo il servizio di cucina di un ristorante e di cantina che serve un po' di stabilimento in tutto il Bion d'Avretto. Gli acchi li abbiamo sempre avuti, fissi da poi una quindicina d'anni. Nel 2010 abbiamo partito a zero, si può dire così, abbiamo le porte d'obracche piene in continente e è arrivata una bomba. Abbiamo una piccola esportazione, ma cerchiamo di valorizzare un nostro prodotto che non fosse evitato e l'animale maggiore. Quando dico l'animale maggiore, castriamo un po' di masce per fare boia, tombiamo un po' di vacche. No, tutto questo permette di valorizzare la nostra produzione e con 20-25 vite è come se non tagliamo 70 vacche e avessi 70 vite. No? In più di EWAC, i Pandolfi hanno fatto un passo per l'autonomia alimentare o manco per il ristorante. Si sono messi dopo il confinamento a fare i frutti e i legumi, un'andatura che si allarga pienamente bene. Il but c'était d'avoir des légumes de qualité quand même en saison, et donc on a dit bon ben on se lance, et après à la base c'était pour faire tout ce qui était les légumes farcis, courgettes, aubergines. Et après, on a augmenté, on a fait les tomates, le persil, le basilic. Et on a essayé d'avoir quelque chose de, de précis et de qualité pour être autonome juin, juillet, août. Et maintenant, on a augmenté un petit peu plus notre surface. On a mis deux serres en place et on va essayer d'avoir des légumes en avant-saison et en après-saison. Sur 12, donc 8 mois de l'année, avoir des légumes pratiquement toute l'année avec les deux serres. Comme avant, nous n'avons pas de serres. On était sur 4 mois vraiment de saison. À partir du courant vraiment mi-septembre, on touchait vraiment sur la fin. Donc là, avec ces deux serres, ça va nous permettre d'avoir gagné 4 mois de plus en production. In paese stesso di Sotta, au ristorante. Bonjour, ça va? A cucina in pieno lavoro. S'abituano al servizio e qui è a mamma che cura tutti i piatti. Jacques Antoine e Pierre Olivier hanno lasciato i scambaroni da Ganto per mettere un scorzale e serve un ripasto appuntato da sua mamma. Dall'animale e uccioso al suo commercio non c'è compasso. C'est surtout une volonté de mettre en avant le produit sur lequel on travaille toute l'année pour avoir un retour à travers le client, à travers l'assiette. Et puis ça met en valeur notre travail et ça met en valeur le produit aussi. Et entre frères, comment ça se passe au quotidien? Non, ça va, non? Il y a pire. Non, franchement, on se complète. Tout ce qui est agriculture, restaurant. On travaille main à main et... On fait notre petit bout de chemin ensemble. Et comment vous faites? C'est chacun fait une tâche ou globalement, comme vous disiez tout à l'heure, vous faites tout ensemble? Quand on peut, on essaye de se répartir les tâches. Après, on fait beaucoup de choses ensemble, énormément. Mais quand on peut, on a un peu plus de temps. Il y en aura un qui va travailler plus sur la partie agricole la matinée et après revenir pour le service de midi. Et après, travailler tous les deux ensemble l'après-midi sur l'exploitation. Mais généralement, on fait beaucoup de choses ensemble. On se structure l'hiver pour avoir le moins de charges possible de travail sur l'exploitation l'été. Piglia a mano tranquillamente e lo scopa cortanda. Ma i vratti di Pandolfi o mancano mica di idee per il futuro. In gira uino, può essere, ma parawa, un ciò non di nota.